Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi. Voilà, il n'y a pas chat qui est en dessous, qui fait le foufou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une unboxing. Voilà, avec donc une nouvelle boutique pour moi, la boutique Fonzel. Bisous. Donc avec la boutique Fonzel, donc j'ai choisi chez eux 4 articles. Voilà. Alors attention, mes mères elles passent partout. Hop, voilà. Donc aujourd'hui il y a une chose différente de d'habitude. Ça, c'est Fifi. T'arrêtes. Il est maman. Regarde. Hop. Elle est énervée ce soir. Hein, t'es énervée ce soir? Tu veux te montrer? Alors, je disais, 4 articles, dont un différent de d'habitude. Voilà. Donc, je vais essayer de vous le montrer, si Fifi veut bien. Tu veux que je montre? Oui? Tu veux bien? Je ne sais pas si elle est décidée, hein. Allez, maman va te mettre à terre, sinon on ne va pas s'en sortir. Non, reste là. Alors, d'abord, voilà, elle est remontée. Alors, j'ai oublié de prendre un petit ciseau. Je vais le prendre. On va donc déballer le sachet. La boîte s'est ouverte, ça fait, c'est pas grave. Et juste une seconde, je prends un ciseau. Voilà. Donc, 1, 2, 3, et j'ai un quatrième article. Alors, on va commencer par celui-ci. Je vous montre beaucoup de nouveautés en ce moment, hein. Voilà. Alors, le petit bout ici. J'ai mis mon téléphone. Je m'aperçois que j'ai mis mon téléphone à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Allez. Voilà. Ça ne voulait pas sortir. Alors, ici, ce sont des diamants spéciaux. Bon, comme d'habitude, vous voyez, c'est ça, le téléphone est à l'envers. Du coup, je suis là, de ce côté-là, mais non, le... Comment ? Ce qui filme est de l'autre côté. Voilà. Donc, il faut que je fasse attention. Donc, je vais vous montrer en premier les perles, comme je fais d'habitude. Voilà, de très jolies perles. Voilà, des grosses demi-perles blanches. Je
là, des gouttes d'eau, là, des petites, des demi-perles blanches, mais un peu plus petites, des strass verts, jaunes, bleus, rouges, des plus petits rouges, des demi-perles blanches et des demi-perles bleues. Voilà, j'ai fait juste une petite coupure, j'ai remis mon téléphone à l'endroit parce que ça me gênait. Alors, donc vous avez vu les strass, les diamants spéciaux. Donc là, le kit, c'est un 30-40. Voilà, donc il y avait 11 couleurs. Donc, niveau toile, nickel, hein, comme d'habitude. Donc là, je vous dis, c'est une nouvelle boutique pour moi, mais bon, il n'y a pas de problème. Non, c'est de la colle, c'est rien. Hop, voilà. Il y a un petit point de colle. Et voilà le dessin. Alors, une japonaise. Très jolie. Vous avez remarqué, hein, j'aime beaucoup hein, tout ce qui est comme ça, japonais, chinois. Voilà, elle est très très belle. Donc, voilà, la première. Si j'y arrive. Voilà. Et dans sa poche. Et comme d'habitude, je vais marquer donc le nom de la boutique. Et ce que c'est, hein. Mon spéciaux. Et on est le 7, je crois, 7 ou 8. Voilà. Comme d'habitude, vous voyez, je note toujours, hein, comme ça je sais. Le deuxième. Alors là, c'est un complet. Il y aura 25 couleurs dedans. Ils sont bien serrés hein, dans leur plastique. Je vous demande comment ils ont fait pour rentrer dedans. Sinon, on a du mal à sortir.
Et ce sont des perles carrées. Donc le petit kit. Et je vous montre les couleurs. Rose, noir, ça noir ça. Oui, noir. Là, il y en a deux pareils. Voilà. Et encore un. Et voilà. Donc ça, on va les remettre en place. Voilà. Voilà pour les perles. Donc ici c'est 30-40. Donc niveau toile pareil. Hein. Et voilà. Un petit hibou rigolo. Ça vous avez pu remarquer aussi que les hiboux j'aimais bien. Les hiboux, les chouettes. Je trouve assez rigolo. Donc je vais vous remettre les photos, hein, comme je fais d'habitude, pour que vous voyez mieux. Donc je trouve assez chouette pour un hibou. Voilà, donc pareil, hibou, voilà. Alors le troisième kit, là c'est un grand. Pacha, tu fais quoi là-bas? Hop.
celui-ci, il a 28 couleurs. Et celui-là est plus grand. Hein. Et il a beaucoup plus de perles. La taille de celui-ci, c'est un... Alors, il fait 1 mètre sur 50 cm. Et ce sont des perles rondes. Donc, le petit kit, voilà, avec des petits sachets derrière. Donc, comme d'habitude, hein, je vais vous remettre les liens en barre d'infos. Les liens de la boutique et les liens des kits. Comme ça, s'il y en a qui vous plaisent, pour que vous puissiez les retrouver. Désolée, hein, je fais toujours du bruit. Là, il y a beaucoup de perles. Alors, d'abord, ce petit paquet. Voilà. Ensuite. Beaucoup de bleu. Voilà. Et la dernière. Beaucoup de vert aussi. Voilà. Donc, je range les perles. Je l'ai fait tomber. Voilà. Alors, on va remettre tout ça dans le petit sachet. En fait, il y a beaucoup de perles comme ça, c'est plus difficile de les ranger. Hein. Voilà. Désolée pour le bruit. Alors. Maintenant, je vais essayer de vous montrer. Alors, je pense que je vais mettre
plus en arrière pour vous montrer. Voilà. Donc c'est un paysage. Voilà, avec un bateau. Voilà, donc celui-là, il y a du boulot dessus. Hein. Vous voyez ? Je l'aime beaucoup aussi. Donc pareil, mon paysage, je marque avec bateau. Pacha, s'il te plaît, il pleure. Voilà, voilà pour les kits. Hop. Donc maintenant, comme je vous ai dit, j'ai pris quelque chose qui change d'habitude. Et c'est quelque chose qui revient à la mode. Voilà, qu'on faisait bien avant. Alors, bon, côté emballage, il a pris cher un petit peu, mais bon, ça va. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. J'ai pas encore regardé, voilà. L'image est un tout petit peu abîmée, mais c'est pas grave, ce n'est que l'image. Donc voilà l'image. Voilà, des minous. Et donc, alors, je vais vous dire tout de suite la taille. Je vous dirai tout en... Après, alors, la taille c'est 75 sur 50. Voilà. Et... Donc, ce que c'est un puzzle. Voilà. Voilà. C'est un puzzle de 1000 pièces. Donc, ça va, c'est pas un grand, hein, c'est pas un énorme. Je vais essayer d'ouvrir le sachet. Voilà. C'est vrai que ça revient à la mode. Je voudrais regarder la qualité des petits cartons. Ça va, ils sont pas trop fins. Ah, oui. Donc. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le petit sachet pour l'humidité. Je me demandais ce que c'était. Donc, il va falloir que je m'amuse à le faire. Mais ça, c'est pas. J'aime bien. J'aimais bien en faire. Donc, j'aimerais toujours en faire. Donc, c'est ce dessin-là que je vais refaire. Voilà. Et puis.
puis bon, je dis à 1000 pièces. Donc ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles de pearls. Des pearls, alors c'est presque, je crois que c'est tous des 1000 pièces, si je me rappelle. Qu'est-ce que j'allais dire? Ils ont des pearls aussi qui sont un peu compliqués, j'ai vu. Parce que c'est des pearls où presque tout est uni, où il y a juste un fin dessin dedans et tout. Donc ça, c'est le genre de pearls super casse-tête que je ne prendrai jamais. Parce que là, je me casse la tête dessus. Voilà. Donc non, mais je m'amuse à faire celui-là. Et puis, de toute façon, pour commencer, il faut d'abord que je trouve tous les côtés. Hein, puisque c'est comme ça que l'on commence. À trouver d'abord tous les côtés et après à trier toutes les couleurs. Voilà. C'est comme ça que vous faites un pearls. Hein. J'ai déjà trouvé deux côtés, youpi. vous triez d'abord tous les côtés et après vous triez par couleur. Donc soit que vous faites prenez des petites assiettes, si vous avez des petites assiettes en carton. Moi il doit m'en rester de mon mariage. Voilà, vous voyez, je retrouve des. C'est celui de côté, mais bon, je le ferai avec vous et je sais pas quand. Bon, je le ferai entre deux. Hein. Et après, il faudra le coller. Voilà, puisque un peu ça se colle. Donc voilà, c'était la petite chose nouvelle que j'avais choisie, que je voulais vous montrer. Je vais regarder. Ah bah, si, celui-là, je n'ai pas besoin de chercher. Ils sont restés collés à deux. Voilà. donc ça, et en plus, bon, ils ne sont pas très chers, hein, les pulls. Chez eux. Là, celui-là, il était à 7,72€. Bon, ça va. Moi, j'ai encore un pearls à moi que j'ai pas fait. Enfin, il n'était pas à moi normalement, il était à mon chouchou. Il voulait un pearls. Et ça fait un bon moment. Et puis, il ne l'a jamais fait. Et puis je me suis dit, bon, il faut que je le fasse un jour. Et bon, je m'y mettrai un jour pour le faire. C'est des loups. Je crois qu'il a 1000 pièces aussi. Et j'ai même le tapis. Hein, j'ai le tapis Pulse pour faire le Pulse dessus et tout. Donc, voilà. Excusez-moi. Il est tard. Ouais. Il est 22h. Il commence à être tard. Donc voilà pour aujourd'hui ce que je voulais vous présenter. Ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu aussi de voir un article différent d'habitude, hein, de voir un pulse. Voilà. Donc je le ferai entre deux, entre mes coloriages, entre mes DP, entre mes broderies. Voilà, je ferai un petit peu entre deux. C'est vrai que, bon, je veux dire comme ma copine Sylvie, bon, c'est vrai que je m'éparpille aussi, hein, comme elle. Mais bon, je trouverai bien un moment pour le faire aussi. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, voilà. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais vous retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et j'avais un truc à vous dire comme d'hab et puis j'ai encore oublié. Mais ça fait rien. Ce sera pour la prochaine vidéo.
Plein de bisous et à bientôt. Bisous, bisous.